kissing in the rain, walking on the beach. I can see it now, almost happening. Sneaking out at night, living like we're free. You and I could do anything we please. You've got the face to fit the frame. I cannot look away. Like, can't you see I'm here? J'étais au Congo, elle était encore en Afrique du Sud. Et une bonne amie à moi, un jour, m'a dit, écoute, t'es célibataire. Ça, je comprends pas pourquoi t'es célibataire, je connais une femme qui est bien. Je peux te promettre que le jour où vous allez parler, vous allez vous mettre ensemble. Moi, je lui ai dit, ah bon, comment tu sais qu'on va se mettre ensemble? Elle me dit, non, écoute, vous avez les mêmes personnalités, vous aimez les mêmes choses, vous êtes tous les deux stricts dans ce que vous voulez. Donc je te passe son numéro et puis je te passe son compte Facebook. Fais-lui un petit message et puis voilà, parlez, vous allez voir. Je m'appelle Anjou, c'était l'année passée, au mois de février, je pense. Il m'avait écrit un message sur Facebook, ou bien il m'avait envoyé un friend request d'abord, je ne sais plus. Et il m'a écrit un message du genre Hey, beautiful, un truc de ce genre. Et moi, j'aime pas qu'on m'écrit comme ça. Déjà, dès que j'ai vu le message, je me dis, ah, it's again one of those guys. J'ai laissé passer, j'ai ignoré son message. Et deux mois plus tard, il m'écrit encore. Et comme par hasard, ce jour-là, j'étais quand même. Ce jour-là, en fait, j'ai m'étais décidé, bon, Christelle, il est temps que je rencontre une nouvelle personne, que j'essaie un peu de commencer une nouvelle vie et voir un peu. Voilà quoi, ouvrir un peu mes options. Et c'est ce jour-là qu'il m'a écrit pour une deuxième fois, deux mois plus tard. Il m'a écrit bonjour. Et là, j'ai répondu bonjour. Un jour, deux jours, trois jours, on s'est rendu compte qu'on parlait tous les jours sans exception. Et j'ai décidé de prendre l'avion pour l'Afrique du Sud. Et voilà, on s'est vu pour la première fois, on a pris un repas, on a discuté. Comme mon ami me l'avait dit, on avait vraiment les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, les mêmes goûts. Et voilà, ça a collé dès la première rencontre, en fait. Voilà. Et voilà, j'ai dit bon, ça c'est un. Il est différent. J'aimerais bien que ça reste comme ça. Et puis, on a eu l'année passée, au mois de décembre, quelques mois plus tard, on a décidé de. J'ai proposé, je lui ai dit, écoute, l'année prochaine, 2018, ça sera un peu une année très compliquée pour moi et pour toi aussi, vu que tu cherches un nouveau travail. Et moi, j'ai envie de finir mes études, j'aimerais bien trouver un boulot et tout. J'aimerais bien qu'on prie ensemble, qu'on fasse un jeûne de 21 jours. Je pensais qu'il allait me dire, écoute, les histoires de jeûne là, non. Mais à ma grande surprise, il a dit, ok, ça va, on va jeûner ensemble. On a prié pour notre relation, pour mes études, comme j'étais en dernière année, pour son travail, le mien aussi, parce que je voulais trouver un boulot dès que je finissais mes études. Et c'est là vraiment que j'ai réalisé que c'est quelqu'un de très important pour moi que je ne voudrais pas perdre. Je me suis dit, ah là, c'est vraiment l'homme de ma vie, quoi. Alors j'ai décidé, oui, je l'attends. Et puis, on a décidé de se mettre ensemble depuis l'année passée. Et. Mais je lui disais tout le temps, mais écoute, on fait des plans de se marier. Monsieur, tu proposes quand? Moi, j'aimerais bien avoir un nice proposal. J'étais pas en Afrique du Sud. J'étais pas à Kinshasa non plus, la capitale. J'étais en pleine brousse. Alors comment j'allais faire pour la garder? Alors à distance, il n'y avait pas de bague de fiançailles ou quoi que ce soit. Je pouvais pas la voir physiquement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé une photo. Ou avec Photoshop et tout, où j'ai dessiné une bague. C'était très, très amateur. J'ai dessiné une bague et je lui ai envoyé la photo pour lui dire, écoute, je te vois pas encore, on va pas se voir avant peut-être deux ou trois mois, mais virtuellement, je te demande déjà de m'épouser, alors ne prends pas un autre gars. Il m'a dit, Christelle, tu m'épouses, c'était l'année passée en juin. J'ai rigolé, je lui ai dit, ok, pour lui, ça va, je vais être patient. Il me dit, bon, sois patient. Les finances, c'est un peu trop compliqué, mais
Tu auras ta vie. Tell me, I'm your darling Daisy. Picture perfect, sweet like candy. I'll be your girl, yeah, I'll be your baby. On était censé se marier l'année prochaine, en 2019, en février. Alors, je lui ai dit, moi, cette histoire de tous les deux mois voyager, te voir, j'arrive plus. Financièrement, ça commençait un peu à être la corde au cou. Je demandais, je voulais qu'elle revienne à Kinshasa. Parce que moi, quand j'étais en Brousse au Bas-Congo, avec Kinshasa, c'est 4 heures de route. Je pouvais facilement me taper 4 heures pour la voir. L'Afrique du Sud, c'était un peu trop loin. Donc, je ne savais pas comment la faire venir. Elle ne connaissait pas Kinshasa. Et avec le confort de l'Afrique du Sud, c'était difficile de la faire venir. Donc je lui ai demandé de venir en vacances. Je lui ai dit, écoute, viens en vacances, 2 semaines de vacances et tu rentres chez toi. Elle a accepté, mais mon plan derrière, c'était de la garder quand elle arrive. Ça, elle ne savait pas encore. Il y a que mon ami de tous les jours, mon frère Christian Mounkeni, qui était au courant. J'avais les intentions de la garder. Alors quand elle est arrivée, il y a une opération que j'ai appelée opération lavage de cerveau. Donc il fallait que je l'emmène dans tous les spots les plus beaux de Kinshasa, les plus beaux restaurants, les endroits les plus exotiques. Ça a pris quand même un paquet d'argent aussi, parce qu'il fallait vraiment qu'elle soit persuadée que Kinshasa c'était un endroit vivable. Après cette manipulation, ce lavage de cerveau, on a ensemble cherché un travail et elle a finalement trouvé un emploi. Et c'est là que j'ai posé la grande question. J'ai dit, bon, tu as deux choix. C'est soit tu rentres en Afrique du Sud pour chercher du travail, soit tu restes et demain tu signes un contrat, tu commences à travailler. C'est là qu'elle m'a dit, finalement, je reste. Donc, voilà, on s'est dit, on va se marier en février, en 2019. Malheureusement ou heureusement, j'ai une nouvelle opportunité de travail qui m'emmène à Lubumbashi. C'est là que je lui ai dit, écoute, je ne pourrais pas attendre. On ne va pas attendre jusqu'en février 2019. On accélère le tout, on se présente officiellement, on fait ne fût-ce que la dot. Après, bon, après tu viens, au moins officiellement, tu peux venir à la maison et... J'ai pas à t'attendre trop longtemps, quoi. J'étais vraiment impatient. Et j'ai parlé à ma famille, je leur ai dit, bon, Jonathan veut doter, il veut se présenter, puis doter dans 2 mois. Et moi, j'aimerais bien aller vivre avec lui plus tard. Mais bon, comme selon la culture, et puis comme on est chrétien, les parents m'ont dit, on te laisse partir, oui, mais à condition qu'on fasse aussi le religieux. Alors, on n'était pas prêt financièrement pour le religieux et le civil. On s'est dit, bon, on va le faire. On a essayé de planifier tout ce qu'on a pu planifier, en tout cas en moins de 2 mois. Et voilà, on a décidé de se marier. Cette semaine-là était une semaine un peu trop stressante, d'abord parce qu'on devait faire la dot vendredi. La dot et le civil le même jour, et puis le lendemain, ça allait faire le jeu. Mais Jonathan, il est arrivé. Et sa famille sont arrivés mercredi, donc on n'avait que 2 jours ensemble à planifier tout. Et donc le civil qui devait commencer à 14h30, on l'a fait à 15h30 pendant 20 minutes pour la cuisine de ma soeur. Moi j'étais encore en jeans, je n'étais même pas encore changée, j'étais en jeans, mes ballerines et tout. Ma soeur, Christiane, était obligée de changer vite vite les habits et tout. L'essentiel c'était qu'on puisse signer les papiers. Et puis dès qu'on a signé, parce que même quand la dame nous disait, quand elle faisait son petit discours là, on n'entendait presque rien. Tout ce qu'on voulait, on disait c'était seulement oui, on voulait tellement signer et puis get over it. Bref, le civil était fait vraiment à la hâte. À la hâte, c'était très marrant. Et dans une cuisine. On a fini, on a pris les cérémonies, on a pris les photos. Moi je me suis dit, écoute, moi je m'en fous où on le fait. Tant qu'on le fait, donc on va faire de ça les meilleurs moments, quoi. Même si c'est dans une cuisine. Et d'après la coutume de Christelle, comme j'ai dit, c'est qu'on ne pouvait pas entrer tant qu'on n'était pas là pour payer la dot. Donc là, les invités étaient coincés dehors, en dehors de la parcelle, dans le froid, très énervés. Donc ça a créé un peu certaines tensions qu'on n'avait pas prévues. Et voilà, donc on est entré finalement dans la salle. Il y avait le bruit, les pagnes par terre, comme toute culture africaine.
J'ai marché, on a jeté de l'argent et tout. Il fallait aller chercher Christelle dans une autre ville. Donc il y a une cérémonie où il faut encore donner de l'argent. Et puis la famille de Christelle discutait parce que l'argent pour eux c'était pas assez pour payer le billet d'avion pour qu'elle vienne se présenter. Et nous ça nous énervait encore plus parce qu'on avait super froid déjà. Donc ça créait certaines tensions où certaines personnes disaient écoutez nous on va partir parce que ça va pas. Mais finalement elle est sortie et on a commencé les négociations parce que chez nous on peut pas donner une dot directement. C'est un signe de comment dire d'orgueil. Quand on te donne une liste, même si tu as tout, tu es obligé de faire une petite discussion. Donc on a commencé les négociations, ça a créé encore des petites tensions ici et là. Finalement la dot était donnée, tout était confirmé, on a pu partager un repas ensemble. Et au moins cette page était tournée, donc au lieu de rentrer à 18h, on est rentré chez nous entre 22 et 23h. Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. On va y aller quoi, on est prêt. C'était quoi de vous marier dans quelques minutes? C'est comme un mélange de deux sentiments en même temps. Il y a à la fois la panique et il y a à la fois cette excitation de faire ce qu'on a toujours planifié pendant longtemps. Donc voilà, c'est les deux quoi. C'est la peur et la joie en même temps. Donc c'est ça. Non, je me souviens au début, je l'avais demandé de me prendre par la main et de sauter dans un trou sans savoir où on allait. Ben, je crois que c'est maintenant en fait. C'est maintenant, on a fait un long chemin ensemble. Le trou, il est devant nous. Donc Christelle prend moi par la main et maintenant on saute. My rhythm and blues, I can't stop singing, it's ringing in my... Alors le grand jour, le mariage religieux. Ben, le prêtre, il insiste, étant un gars très, très strict, hein, ça, je dois lui donner ça, c'est très bien. C'est rare de voir des Congolais qui sont comme ce prêtre-là. Il a insisté, on devait commencer la cérémonie à 13h. Pour lui, commencer la cérémonie à 13h, ça voulait dire à 13h tapante, il fait le signe de croix et commence. Ça veut dire que nous, on devait être là à 12h15 au plus tard. On s'est mis la pression, on s'est préparé, et tout le monde était prêt. Nous, les hommes, enfin la famille de l'homme, moi, j'arrive à 12h15 comme prévu. Donc on attend madame, on se dit, bon, elle sera peut-être un peu en retard, les femmes, le maquillage et tout. On lui donne encore 15 à 20 minutes et elle sera là. Madame ne venait pas. 12h30, 12h45, 13h, la cérémonie est censée commencer. Le prêtre me dit, mais écoute, moi je risque d'annuler ce mariage. Il y a une autre cérémonie à 14h30, je ne pourrais pas attendre aussi longtemps. Moi je commence à stresser. Ma marraine, sachant que j'allais stresser, elle m'a arraché tous mes téléphones parce qu'elle ne voulait pas que j'appelle Christelle. Elle savait que j'allais gueuler sur elle. C'était vraiment une journée très 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 stressante. Et Jonathan m'avait grondé au téléphone parce que j'étais en retard. J'avais presque pleuré parce que je me suis dit, mais... c'est pas le moment de pleurer, c'est pas le moment de faire un drame. Elle m'a arraché tous mes téléphones, j'avais pas accès à mes portables. Donc je ne savais pas où Christelle était, je ne savais pas si elle avait quitté la maison, je ne savais pas si elle était prête. Et personne ne voulait me le dire. Mon témoin, mon best man Christian
essayer de me calmer sans me donner de détails non plus. Mais ça me stressait encore plus. Donc j'attendais dehors, il était 13h, puis il était 13h30, puis il était 13h45. Le prêtre s'impatientait, il y a la marraine qui essayait de calmer le prêtre. Et moi j'étais dehors, je stressais comme pas permis. Je me souviens que j'avais pleuré dans la voiture. J'ai pleuré dans le véhicule. Je vais quitter déjà la maison vers 11h45, 12h, mais 11h30, c'est qu'on a commencé à me maquiller. Et là, je savais que Jonathan, ça n'allait pas aller. Alors, j'avais pris mon téléphone, j'avais mis à côté. J'ai dit à ma copine Mika, je lui ai dit, écoute, tu gardes mon téléphone. Si on est en retard, moi, je ne sais pas quoi faire, quoi dire. J'ai pleuré dans le véhicule avant la cérémonie. Mais pas parce qu'elle était en retard, mais par rapport au conseil de la vie que mon parrain est en train de me donner. C'était tellement deep et c'était tellement profond que ça m'a rendu un peu émotionnel. Donc j'avais un peu les larmes aux yeux avant de commencer la cérémonie. Madame n'était toujours pas là. La chorale était là, ils ont chanté. C'était vraiment impeccable, les chants étaient impeccables. Une cérémonie de 30 minutes, ça veut dire qu'on ne pourra pas chanter, il va arriver, il va faire sa bénédiction et puis tout le monde part chez lui. J'étais déjà triste parce que je voulais vraiment que cette chorale chante pour nous. C'était vraiment un bon choix parce que c'est une chorale impeccable, une chorale en français. Donc j'étais très énervé, je me suis dit bon, quand elle arrive, je ne vais pas en parler, je vais faire un bisou, on va faire la cérémonie comme prévu et si on le fait plus rapidement, ce n'est pas grave, au moins on sera marié. Donc je ne voulais pas en faire un grand plat. Finalement, à 14h, elle est arrivée. Je suis entré avec mes parents. Il y avait mon père et ma mère à côté. Et je suis entré, je suis stressée. Quand j'entre, je vois Jonathan me donner le dos. Moi, je veux qu'il me regarde. And I've learned to love. Me too. Mon best man ne voulait pas que je me retourne pour voir la mariée rentrer. Je crois qu'il savait que j'étais déjà émotionnel et que j'allais me mettre à pleurer comme pas possible. Donc j'avais le dos tourné quand elle arrivait, ce qui était bien parce que j'ai gardé mon calme et j'étais très serein. Into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me, you love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me, you love me. I found love. Je savais qu'il allait pleurer, mais bon, il me donnait le dos et puis quand il s'est retourné, on s'est regardé. J'arrêtais pas de la regarder parce que je la trouvais super belle. Je me disais, on l'a bien maquillée et tout. Donc à la cérémonie, au-dessus de la cérémonie, tout le temps, j'avais jeté un œil pour voir un peu comment elle était habillée parce que j'avais pas encore vu la robe de mariée. Et durant la cérémonie, par moments, on parlait un peu. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de l'artiste. J'ai eu un entretien avec vous, ne jamais vous communiquer si vous êtes fâché par les cellulaires ou WhatsApp, c'est difficile. Regardez dans les yeux de ton partenaire et lui parler. L'amour ne se réjouit pas de ce qui est mal. Le mal reste le mal. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il assure tout. L'amour ne conserve pas. L'amour humain est le fait de l'amour de Dieu.
Parfaitement car c'est en aimant qu'on apprend à aimer. Christelle et Jonathan, vous avez commencé à vivre une histoire d'amour ensemble depuis quelques mois. Vous avez appris à aimer petit à petit, je crois. Vous voulez continuer pour tous les temps. Il n'y a pas de divorce. Et quand il a commencé à faire d'abord la première bise sur la joue, je dis, oh voilà, c'est vrai, il avait vraiment raison, il était sérieux. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing. Premier bisou du côté gauche, calmement. Premier bisou sur le côté droit, calmement. Premier bisou au front, calmement. Et finalement, je l'ai remercié. Donc je voulais vraiment prendre mon temps. Je me disais, ce moment ici, c'est notre moment. C'est pas le prêtre, c'est pas la chorale, c'est pas les fidèles, c'est pas les parents. Donc, on va faire de ça un moment très spécial en le faisant très doucement, en prenant notre temps, quoi. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. C'est là que je me suis lâchée. Lui aussi s'est lâché. On s'est dit,
enfin on est mariés, on s'embrasse officiellement, que ce soit devant les gens ou devant les lieux, je sais pas, mais on s'est vraiment embrassé. Could I give you J'avais les larmes, j'avais les yeux rouges et je voulais revenir à moi-même parce que je savais qu'il y avait des caméras, il y avait des photos de partout. Donc j'essayais de me calmer, de revenir à moi-même parce que j'avais encore les secrets des larmes qui avaient coulé. Sa chanson préférée a commencé à jouer, quand la chorale a chanté. Et dès que je l'ai regardé du coin de l'œil, j'ai vu une larme. Et moi, je me disais intérieurement, oui, je l'ai eu. Parce que pour moi, un homme qui pleure ou bien qui coule, qui fait couler ne fût-ce qu'une larme, ça veut dire qu'il t'aime réellement. Et ce moment-là, je voulais juste être là pour lui. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be. On est sorti et puis on a pris des photos en famille. J'étais toujours très émotionné et puis j'ai vu Christelle pleurer quand son frère Chichi est venu l'embrasser. Elle a versé des larmes. J'allais encore pleurer. J'avais encore les larmes qui étaient en train de remonter. Je me disais, écoute, on va prendre des photos, arrête de pleurer. Et ma grande sœur, l'aînée de la famille, Linda, moi j'appelle N1 parce qu'on s'appelle Samba, MSA. Donc on s'appelle, on se numérote en fait comme ça, N1, N2, N3, N4. Et je l'appelle N1. Donc la N1 est venue me consoler, enfin m'embrasser, on me disait ne pleure pas mon bébé. Donc c'est un peu ça, c'est le fait qu'elle m'appelle mon bébé, en fait, ça m'a rendu encore plus émotionnel parce que j'ai revu notre enfance en fait quand on était petits, quand on vivait ensemble. J'ai pleuré quand j'ai vu mon frère et dans le véhicule aussi, à un moment il avait des yeux rouges, je lui ai dit tu vas attendre bébé, tu pleures. Il dit non ça va, c'est juste la fatigue. Mais après je pense que le lendemain il m'a dit au fait, je pleurais un peu. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting again.
against all odds, I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. This is why I love you, because you love me. You love me. This is why I love you.
in you. And no other love will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Forever and a while, in my heart is where you'll stay. This is why I love you. Stars have all aligned, and right now is the perfect time to say, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. I just want to welcome you. In the world of married people. It's in this world that me and my wife grew. And it's from there that you're coming from. And we are proud that you are pride from that world. I won't speak for too long, I just say have a happy party or a great party. Bonsoir tout le monde. Good evening everybody. Nous vous souhaitons la bienvenue en nom. We welcome you from both families. Et je souhaite la bienvenue à Jonathan. We also welcome Jonathan in our family. Et comme papa l'a dit, his father said before, c'est une longue marche. It's a long journey. Mais comme c'est une institution divine, but because it's a divine institution, que Dieu sera avec vous dans cette longue marche. It means that God will be with you. There will be ups and downs. J'ai pas trop d'expérience. I don't have so much experience in this life. Only 14 years for now in this life. But there will be ups and downs. We love you, Jonathan. You're not just our brother-in-law, now you're our brother. J'aimerais vraiment les féliciter pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui parce que. We're going to congratulate for today. C'est pas facile. It's not easy. Je suis passé par là. I've been through it. Genre, j'ai l'expérience et tout. So I have experience. Donc, je suis passé par là, je sais à quel point c'est stressant, c'est compliqué. Et nos parents, bien sûr, ont prouvé que c'est vraiment pas facile d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Donc vraiment, félicitations à vous et je suis vraiment fier de vous. I'm so proud of you guys. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, je connais Jonathan, ça fait pratiquement 20 ans. I know Jonathan for 20 years now. On a partagé beaucoup de choses. We share so much together. Que je vais m'abstenir de dire ici. That I will withhold. Pour éviter d'avoir la première dispute de couple. To avoid the first
Capo. T'inquiète, je ne vais rien dire. Je ne dirai rien. Je te promets. Ok, you want to say anything? Promises? Mais non plus, t'inquiète, ce soir, on peut parler dehors, je te dirai tout. Merci. Alors, comment est-ce que j'ai connu Christelle? So, how did I meet Christelle? Un bonjour, mon ami m'a appelé. One day, my friend called me. Pour me demander... tu connais une petite, là? Do you know that girl? À Jobourg. In Jobourg. Tu connais une fille de Jobourg? T'es à Jobourg. You know Jobourg, you're there. Vu que mon épouse était à côté, j'ai dit, fille de Jobourg. Since my wife was there, I said, girl from Jobourg, qui? Jobourg. I don't know anybody from Jobourg. Dis donc, elle s'appelle Christelle. Say, her name is Christel. Elle étudie à UJ. She studied at UJ. J'ai dit non, je ne vois pas. I said no, I don't see. Ok, elle était Miss RDC. She used to be, she was Miss Congo. Je dis non, je ne vois toujours pas. I said no, I still can't see. Alors il me demande d'investiguer. So he asked to investigate. Et comme ça m'amusait, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Because it was so funny, I said ok, I'll do it. Maintenant, il est déjà marié, donc j'ai besoin de dénoncer tous les complices. I can say everything. Complice numéro 1. The first accomplice. Vous avez peur, hein? Il bouge déjà la tête. He's already moving his head. Numéro 1, mon très cher ami, je ne l'ai pas beaucoup, bizarrement. C'était mon ami Wilco. It was Wilco, the first accomplice. Le complice numéro 1, il m'a donné tous les détails. He gave all the details. FBI. Malheureusement, unfortunately, il a profité de sa femme. He took advantage of his wife. Il n'a pas su pourquoi. Who didn't know why he was asking all those questions? Elle a passé l'examen avec Wilco, alors je me suis dit. So she passed with Wilco. On va passer au deuxième complice. So I said the second accomplice. Cette fois-ci, c'est Bobo et Kao. Now it's Bobo. Lui, sa réponse. Him, his answer. Oh, Kao. Bobo. Is that why? Non, je lui dis non, t'inquiète. I said no. Donne-moi les détails. Just give me some details. Il me donne tous les détails. He gave me all the details, but I would not mention here. Et encore une fois. Tu as passé de classe. Again, she passed. Alors je me suis dit non, so c'est un peu plus compliqué parce que c'est quand même une grande décision. It's a great decision, it's a big one. J'aime beaucoup, beaucoup ma marraine, mais là, I love my je la dévoile. I'm going to reveal her. Troisième, j'ai vu ma marraine, Tania Glau. Tania, pourquoi vous parlez? I saw Tania as the third person. Elle m'a donné de très bons exemples, de très bons, très so bons feedbacks. Like great feedback. Et c'est même ça qui m'a vraiment motivé à parler du bien à Christelle de Jonathan. To speak à Jonathan de Christelle. About Christelle to Jonathan. Donc après ces réussites, je me suis dit. After that, I say. Je me suis dit, c'est bon, Christelle a passé. So Christelle passed all the tests. On va l'épouser si tu veux. We're going to marry her if you want to. Et Christelle décide. And Christelle decide de venir en vacances à Kinshasa. To come on holiday in Kinshasa. Alors je me dis, allez, on va pour compliquer les choses. I said, let's complicate things again. Alors je suis passé par ma complice pour la vie. I went to my accomplice for life. Ma femme. My wife. Qui l'a analysé. Who analyzed her. Re-analysé. We have analyzed her again. Re-analysé. Did it again and again and again. Pendant des heures et des heures et for des jours. For hours and hours and days. On a donné un feedback à Jonathan. And we gave feedback to Jonathan. Et puis, encore une fois, elle a passé de classe. She passed again. Et après, je crois qu'il y a eu l'analyse la plus importante, qui est même celle qui nous apporte, qui nous amène then, aujourd'hui. It was the best one that actually brought us to this place. C'était celle des parents. It was the parents. Papa et maman sympa. Je vais analyser et encore une fois, elle a passé. Analyze again and she passed the test again. Donc en fait tout ça c'est pour dire que all this to say, après qu'on ait pu parler avec Christelle et à la connaître. After we spoke with her and we knew more about her. On a remarqué que c'est quelqu'un de fondamentalement bien. We saw she was someone really really nice. Qui en fait qui a un bon cœur. Who has a good heart. Et pour moi, avoir un bon cœur, c'est quelque chose heart, qui dépasse tout ce que vous pouvez avoir. It goes beyond everything that we can ever have. Ça dépasse la culture. It's more than culture. Ça dépasse la religion. It's more than religion. Ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. It's above everything we can ever imagine. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon très cher ami. And from that time, I told my friend. I think she's a keeper. Yeah, c'est elle en fait. C'est vrai que je dis en anglais. Donc, pour finir, je voulais juste avoir un glass. J'ai mon verre à vous, à votre union.
I'm toasting to you, to your union, to your love, à votre future famille, to your future family. Le plus important dans votre union, c'est de mettre Dieu au centre de vous. The best in your union is to put God at the center. Tant qu'il est au centre, vous as pouvez surmonter at the center, you can overcome anything. Alors je vous souhaite tout le bonheur du monde. So all the best. Bonne chance. Good luck. Parce qu'il ronfle. Because it's J'avais dit que j'allais pas dire. Thank you very much. Good luck. Thank you. Congratulations. Alors après la cérémonie, il y a la belle famille. Enfin, je sais pas c'était qui exactement. Les cousins à Christelle qui sont venus vers moi pour me dire, mon gars, à l'église on t'a vu bouger comme pas permis. Toi, tu danses, hein? Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à l'église? J'essayais de me rappeler. En fait, j'avais pas dansé à l'église. Et puis bon, c'était des débats gauche-droite, pas normal et tout. Je me suis dit, attends, si ça c'est ce que tu appelles danser, alors ce soir tu seras estomaqué ou tu seras super choqué parce que t'as encore rien vu. Oh!
DJ, please play something. Some Congolese music. Just for me. Yeah! So you want to dance? You have to dance! Yeah, I want you to dance. Open up! Yeah.
Bon, je danse depuis un temps, j'aime bien danser. Depuis que je suis petit, je dansais avec mon best man Christian. On dansait dans les fêtes de l'école, à chaque fête de l'école, on avait notre petit show. On prenait ça très au sérieux parce qu'il fallait avoir des répétitions. On avait notre coach qui était le grand frère de Christian, Gaëtan Mukemi. Et notre coach nous montrait les pas. Depuis qu'on est très petit, la danse, les chorégraphies et tout, ça fait partie de notre quotidien, notre pain quotidien. Alors, j'aime beaucoup danser. Quand je stresse, je danse. Quand je suis content, je danse. Quand je suis triste, je danse. Alors, je me suis toujours dit qu'à mon mariage, ça allait chauffer. J'avais demandé déjà à tout le monde, j'avais demandé qu'on prépare un seau de serviettes. Ils avaient pris ça à la légère et pensaient que je rigolais. Je vous ai préparé moi un seau de serviettes parce que je vais vraiment transpirer. C'est l'hiver, je sais, mais je sais que je vais danser comme jamais auparavant. Et l'église, c'était rien, c'était juste une introduction. C'est à la salle de fête que je me suis vraiment défoulé. Après le stress du coutumier, après le stress du civil dans une cuisine, après le stress du prêtre qui a presque démissionné de ses fonctions à quelques heures de la cérémonie, c'est tout ce stress-là que j'ai déversé sur la piste. Et les gens étaient choqués. Je sais que je voyais les gens me regarder comme j'arrive pas à croire qu'ils dansent comme ça. Quand on me voit, il paraît, je donne pas l'air d'un danseur, je donne pas l'air d'un qui sait danser du tout. Peut-être que je fais un télo et tout avec des lunettes, voilà. Mais les gens étaient choqués. Et ça a parlé même après la cérémonie parce que j'ai vraiment dansé. Et on m'a même demandé de me calmer un moment parce que, écoute, assieds-toi, prends un verre, t'es fatigué et tout. Mais j'avais pas envie de m'arrêter. Je me suis arrêté parce qu'on m'a forcé de me reposer, en fait. C'était ça un peu la cérémonie. C'est bien amusé à la soirée, on a dansé. Moi j'aurais bien voulu en tout cas danser. Certaines personnes me disaient mais Christelle va beaucoup danser, mais en tout cas j'avais presque rien fait. Jonathan avait. Il s'était lâché. Moi aussi. Vu ma condition, je ne pouvais pas vraiment me lâcher parce que mes parents, mes beaux-parents, ils paniquaient un peu pour moi. Mais bon, on s'est bien amusé, l'essentiel est qu'on s'est mariés. C'était un très bon jour. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, mais. C'était un très beau jour que je n'oublierai jamais, surtout Marie.
En conclusion, c'était un mariage super flash, comme je l'ai dit. Je ne pensais pas que j'allais être prêt. Mais je voudrais remercier tout le monde, alors tout le monde qui a posé une pierre pour la construction de cette cérémonie. Je ne m'y attendais pas, j'ai reçu des appels de partout pour me soutenir. J'ai reçu des transferts de partout pour me soutenir, où je m'attendais le moins. Les gens pensent que ce n'est pas grand-chose au fait quand quelqu'un se marie, mais ce petit billet que vous envoyez pour dire « ça c'est ma petite contribution », croyez-moi, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ça j'ai senti le jour de mon mariage. Et j'aimerais remercier mes parents qui ont tout donné. Ils ont tout donné, ils voulaient être là, ils ont voyagé. Ma marraine, elle avait un problème à son genou, elle devait se faire soigner, mais elle est venue, elle a mis un bandage au genou, elle s'est dit « je viens comme ça ». Un grand merci à mes parents qui ont tout donné aussi, qui se sont tués pour être sur place le jour du mariage. Et mon best man, of course, Christian Mukeni, qui a tourné de partout. Et franchement, chapeau à lui. Lui et à sa femme, Shakila, qui ont tout donné aussi. Nabila, je ne veux pas commencer à citer les noms parce que je risque de citer tous les invités. Parce que tout le monde a eu à faire quelque chose. Christiane, la sœur jumelle de Christelle, qui était tout le temps là, qui s'est tuée aussi. Franchement, je ne sais même pas, j'essaie d'avoir les larmes aux yeux quand je suis en train de parler. Mais tout le monde a fait quelque chose et franchement, je dis merci. Je dis merci à tout le monde. Merci. Mais est-ce que vous êtes like moi? J'aimerais bien remercier toute personne qui a fait un effort pour me soutenir financièrement, moralement. J'aimerais bien remercier mes parents, malgré que c'était un truc un peu précipité parce que planifier un mariage en 2 mois, ben, c'était même pas seulement la dot, on avait la dot, le civil et le religieux en 2 mois, c'est beaucoup de pression pour ma famille. Mais ils nous ont vraiment supportés. J'aimerais aussi dire merci à la famille de Jonathan d'être vraiment patiente aussi. D'avoir fait quand même cet effort de venir jusqu'en Afrique du Sud en dernière minute. Avec les finances, des deux côtés étaient un peu compliquées, ma famille et sa famille aussi, mais ils ont été là. Remercier aussi Christiane qui était ma maid of honor et aussi Christian, le best man, qui ont eu à vraiment supporter nos stress de mon côté et du côté de Jonathan. Ils étaient obligés de supporter, ils n'avaient pas le choix. Et en tout cas, la pression venait d'eux. Il y a eu un peu des petits problèmes, mais en tout cas, ils ont tenu le coup. J'aimerais vraiment dire merci. Merci aussi à leurs partenaires, leurs époux et épouses. Merci aussi à toute personne qui a voyagé, qui nous a écrit, qui nous a supporté financièrement de distance, qui n'ont même pas pu être là, mais qui nous ont aidé à organiser un peu le tout, quoi. Mes copines, j'ai pas envie de citer les noms parce que j'ai peur d'oublier certaines personnes. En tout cas, merci à tout le monde et merci aussi à Dieu parce que sans lui, je ne pense pas que ce mariage aurait même eu lieu, quoi. Voilà. Thank you.
anniversaire aujourd'hui, donc je vais chanter pour elle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ma femme Christelle. Joyeux We'll do. That's why I love you.